Michel Tisserele
aille mourir en prison et pour toi. Je vous remercie. Merci beaucoup. Ceux qui t'obéissent, cette personne, pour Poussania, et tout quand on a bien nous discuté, t'obéissent M. Lando à Poussana. Nous voulons aussi d'ailleurs à Poussana. Nous sommes à Poussana. Succession de ce qui est à Azate, hein? Madame Bukula Matamba. Je me présente, monsieur Lando Biabanga, du clan Mouvasinga de la ville de Matadi. Excellence, monsieur le ministre d'État, nous vous remercions grandement pour cette opportunité que tu donnes aux personnes qui ont déjà désespéré dans ce pays. Nous avons 4 villages à Matadi et nous vivions du champ et de la pêche. Mais les sociétés ont occupé toutes ces terres. Aujourd'hui, tout mon clan travaille en Angola. D'ailleurs, le ministère de l'Intérieur de l'Angola avait déjà envoyé une commission au ministère de l'Intérieur ici pour dénoncer et refuser cette situation. Donc ça pose même un problème entre les deux États. Nous avons gagné au niveau de la Cour, de la Cour de cassation. La Cour de cassation nous a reconnu ces terres. Nous avons rencontré toutes ces sociétés. Aucune société n'a accepté de soit nous engager, soit de nous payer ce que la Constitution nous reconnaît. Nous sommes allés au niveau de la Cour du tribunal de grande instance. Le tribunal de grande instance a annulé tous les titres de ces sociétés-là. Néanmoins, jusqu'à présent, aucune exécution ne parvient à se faire, tout simplement parce qu'on est en face de plus forts. Même l'État congolais qui était condamné dans ces arrêts, l'État congolais s'est exécuté au moment où nous parlons. Mais les sociétés refusent. Alors nous ne comprenons pas dans notre pays, l'État congolais n'a pas de valeur par rapport à ces sociétés privées. Voilà pourquoi nous avons déposé dans votre cabinet 2 mémos pour que justice nous soit rendue. Merci beaucoup. Son Excellence le ministre de la Justice et de la Mission, je vous remercie de nous confier ce temps et puis je voulais exposer mon problème. Je suis M. Benjamin Sini, liquidateur de la succession Monimambo. Je voulais vous exposer le problème de la succession Monimambo. Il y a eu une concession à l'intérieur et renommé ambassadeur. Cette concession est de Monimambo. Et il y a un groupe de malfaiteurs, policiers, civils et chefs coutumiers qui se sont réunis pour retirer de la famille Monimambo. Et puis, en dehors de ces concessions, nous avons un dossier de l'UMEDE que le jugement a été déjà prononcé, mais on ne met pas en notre faveur, on ne met pas en raison pour laquelle nous venons à votre haute autorité et nous nous remettons dans nos droits. Merci beaucoup. Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice, je vous dis merci pour la parole accordée. Je parle au nom de la succession Gousseke. Le feu lieutenant-colonel Gousseke, auditeur militaire, décédé en 1974. C'est lui qui nous a construit auditeur militaire de Lubumbashi. Au moment où je vous parle, nous avons été déliés au mois de mars de cette année. Sur l'Akwero 68 par une dame malienne. En fait, je voulais vous mettre une puce à l'oreille que en
70, le président Mobutu avait chassé l'Ouest africain sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, parce qu'ils étaient dans les pratiques des matières précieuses. Allez-y, Mobutu, directement. C'est quoi le problème? Là, nous avons été dégagés par cette dame avec un jugement qui est annulé en 2007 par un arrêt de la Cour de cassation. Nous demandons qu'on soit réinstallé. Curieusement, nous avons fait toutes les procédures. Quand nous nous sommes présentés devant la commission que vous avez établie, la commission nous a répondu que nous n'avons pas le... Il y a absence de titre exécutoire. On n'a pas compris ce que ça signifie. Donc, l'avis était défavorable. Alors que la maison a été achetée en bonne et due forme en 1970. Payé cash. C'est le département de la Défense nationale qui a vendu le terrain ouest-africain. Nous avons tous les documents avec nous. Donc, que cette commission puisse revoir sa décision et nous fasse réinstaller. C'est une réinstallation parce qu'on était déjà dans la base. Et cette dame n'a aucun titre à cette instance. Merci beaucoup. On va terminer. Vous pouvez donner votre dossier là-bas si c'est à réexaminer. Madame Pukula Tamba, à Poussanao, Ngunza Isama Julie, Nufusi Ngangula, Monsieur Saka Tawamba Augustin, Monsieur Kasa Dinoui, Monsieur Ramazani Ali, Monsieur Moba Etienne. Alors nous sommes dans la vie. Mais ce que vous avez dit, vous avez dit que 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 vous avez dit. Je suis le propriétaire de la parcelle 6 Sirigori numéro 1 en Moudi. Un certain 28 août, l'an 2019, vers 10h, nous avons eu un cortège de militaires, de policiers, 75 policiers. Ils étaient venus nous déguerpir. Les dossiers qu'ils ont apportés, je ne suis pas là. Mon nom n'est pas, le nom de mon frère à côté n'est pas. Les noms qui sont ici, nous ne les connaissons même pas. Les préfets même qu'ils ont, les préfets là-bas, ils réclament le numéro 4. Moi, je suis au numéro 1 à Béni Yori. Mon frère, numéro 3. C'est parallèle. Si vous descendez, nous sommes à droite. Et lui, numéro 4 à droite, nous, numéro 1 et 3 à gauche. J'ai mon certificat d'enregistrement, c'est ça que vous voyez. Depuis que j'ai mis, ça fait déjà 20 ans passé. Après un moment donné, j'ai aussi. Bon, et puis un moment donné, il était venu nous déguerpir, pas même une semaine, il était encore passé, nous démolir. Voilà la parcelle. Il nous a démoli mon bâtiment commercial. Deuxième, ma maison de 6 chambres, il avait démoli ça. Troisième, les bâtiments en ont. J'étais en train de construire un état.
plaît, ce que je suis maloba, awa, pas maloba. Au quotidien, à Capone. Chef, t'as. Vous êtes quand même les meilleurs que vous n'avez. Très bien, mon ami. Consultation populaire pour une justice pour tous. Biwokoyo tout est en place pour la Koyoka Batoyo. Il y a famille où il Congo. Batoyo. Il y a ma coquille. Il y a la badoussée. Ça fait donc 100 jours de l'eau depuis. Institué bureau de consultation populaire. En avance, c'était le résultat d'un mot, ils allaient palpable. Pour être banda, tout bandit initiative, tout aussi tout zong ici, plus de 20 000 familles, la banda qu'on a en mot. La Kinshasa d'aussitôt faire organiser un procès émené en flagrance contre un spoliateur et à Banda et à l'État et à un particulier. Tu kangisi na ba chef tu mets à l'hôpital. Lobby, il est qui? Tu zala qui mon colonel? Lobby il est qui zaki mon colonel? Mercredi. That's me. Le 2 octobre 2024. Après Koyoka, ma tata, ma maman, ma nevo, tu quittes qui na terrain, tu zala qui n'en passa, tu as quitté, n'en scellé, côté à la quartier Canada. Wapi, ma botolaka, bato ma pambo, bato ma salaka, ma 4, 5, 6 mois, li banda. Et pendant ce temps, bato misou soude ma banda eko lala na banda pour la bambo. Bato ma poli bamboula, bato ma koufi na koufa. Et lobby. Zongisa qui sourit dans ma famille Wana, na Bandawana, tout y a au côté de la maman, vous savez, Nini. Salut Nini. Salut Nini. Bandana, c'est ministre de la justice. Nayoka, la justice,
chambre salon, les ateliers à maman. Voilà. Amen. Na comprenant qu'il est bon, na tira qu'il est son mot. Et le coucou, il est au bon. Parfois, ma citoyenne Béli, et a dit que Pissot qui conduit, tous à la Nangunaya pour la population. Azo dit que Bazomi n'a pas.